Comme on vient de l'entendre, ce pianiste jazz a enlevé les trois pattes de son piano à queue, l'a mis à terre et a roulé dessus en triporteur. Donald Tron, ne pas confondre avec Donald Trump, s'appelle Tron parce qu'il n'y a plus de jambes. Terrible accident qui est arrivé une nuit de Noël il y a quelques années. Il s'est scié les deux jambes en voulant offrir de la bûche de Noël à ses invités. En fait, il a dit « Voulez-vous un petit peu de bûche ?» Il s'est scié une jambe parce que le pantalon qu'il avait était brun avec des décorations, il a confondu. En fait, comme c'est écrit sur la pochette, sous le regard horrifié de ses invités, il aurait dit « Mon Dieu, désolé, suis-je maladroit. Cette fois-ci, je vais vous servir de la bûche. » Puis il s'est scié l'autre jambe. Quelle tristesse. Incroyable. Une photo sur la pochette où on le voit manger un morceau de bûche. Ben, oui, on voit qu'il retient ses larmes, il y a de l'eau dans les yeux. Quel homme. Écoutez, Louis-Paul Favaralard, c'est Décassé, Radio Communautaire. Et nous faisons une table ronde aujourd'hui sur l'avenir des États-Unis si justement Donald Trump prend au pouvoir. Ah, c'est inimaginable, inimaginable. Non, c'est inconcevable. Oui, mais. On n'est pas capable de parler d'une femme comme du monde. On dit tout le temps, elle a des beaux titres, elle a des beaux titres. Mais justement, selon vous, est-ce que ce pays-là va s'appeler désormais les United States of America? Une chose est sûre, tous les États vont changer. D'accord. Alors, le Connecticut va se déconnecter. Non, on dit Connecticut. Bon, mais il connaîtra plus les kits d'abord. Tous les États vont être scrap. Tu penses? On pourra plus faire ah, puis ça sent l'ail. OK. Quand on fait ah, puis ça sent l'ail. OK, il n'y aura plus d'Iowa. L'Iowa, puis bien d'autres États. Là. Oui, puis tu me disais avant l'émission que ça allait affecter le marché du boursin. Ouais, là, moi qui aime tant ce fromage à tartiner, le mange à cuillère. Le marché boursier. Mais ça arrive, ça. Puis là, on est à l'approche de Noël. Ben oui, ben, on vient juste de finir l'Halloween, puis là, c'est Noël. Ah, si on passe d'un à l'autre, t'es demain. Ah, pas de sens. On n'a même pas le temps de survivre de bord. Moi, je me donne plus de trucs, j'ai ajouté une barbe blanche à ma citrouille. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le peuple américain? C'est ceux de la classe, ceux qui travaillent, ceux qui ouvrent tout, puis qui ferment tout. Là. Mais tu veux dire les ouvriers, puis les fermiers? Ouais, eux autres. Moi, je pense qu'ils seront pas reconnus comme. Non, mais ça, c'est déjà illégal d'être reconnu. T'as pas le droit de te faire reconnaître. J'ai vu ça au Nouvel matin. Je sais pas. Quelqu'un qui était coupable d'être reconnu. Non, reconnu coupable. OK, c'est ça qui est pas ça. Mais c'est les Américains qui votent. Hein? Ça, c'est vrai. On le voit que les Américains, ils veulent protéger leur derrière. Hein? Ben oui, d'ailleurs, le mot le dit, ils sont protectionnistes. Protectionnistes. Alors, les gars, c'est très intéressant, mais on va aller à la pause.